Amnesia The Dark Descent est le meilleur jeu d'horreur que je connaisse et j'adore les jeux d'horreur, j'en ai joué beaucoup. Et c'est pas juste mon opinion, d'ailleurs je vous invite fortement à aller taper sur internet top 10 des jeux d'horreur, top quelque chose des jeux d'horreur de PC ou de toute console confondue et vous allez voir qu'il est souvent numéro 1 et c'est pas pour rien. Et ça l'a vraiment ouvert la voie à pas mal tout ce qui est sorti après, comme Slender, Outlast, Alien, Among the Sleep, pour nommer juste ceux-là qui sont tout droit sortis de Amnesia. Puis, comme tous les jeux d'horreur, faut vraiment jouer. C'est ça la vraie expérience. Ça donne rien de regarder quelqu'un ou de regarder un extrait. C'est comme regarder quelqu'un sauter en parachute puis le faire. Okay, puis je n'y arrive pas, c'est vraiment vraiment cool. Il faut que vous l'essayiez, si possible, dans le noir avec des écouteurs. Fait que c'est un jeu de Frictional, les maîtres de l'horreur, à qui on doit entre autres Amnesia et Penumbra. Puis on joue Daniel, qui est amnésique, vous l'aurez deviné, puis qui se réveille dans un château, il n'a aucune idée où est-ce qu'il est, puis pourquoi il s'est ramassé là, puis où il est en fait. Puis ça se passe à peu près en 1800, là, quelque chose comme ça. Et c'est ça, donc il n'y a aucun souvenir de quoi que ce soit, mais il s'est laissé des notes à lui-même. Il reconnaît son écriture. Fait que c'est un peu comme ça que l'histoire est racontée. Fait que t'explores le château qui est extrêmement bad-tripant. Ok, ça va pas bien dans ce château-là. Et tu trouves des notes, pas juste de toi-même, de d'autres documents textes quelconques, comme dans 100% des jeux d'horreur. Et il y a aussi des flashbacks de temps en temps. Par exemple, il va visiter une pièce, puis il va comme se rappeler qu'il a déjà été là, puis de qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, puis comme un souvenir qui lui revient. Ça ajoute à l'histoire beaucoup. En fait, c'est comme ça qu'on a des informations dans ce jeu-là sur qu'est-ce qui se passe. Puis tu peux à peu près tout manipuler. Tu peux prendre les objets, les tourner, les observer vraiment, puis des indices peuvent être révélés comme ça. Puis quand tu ouvres un tiroir ou une porte, tu ne fais pas juste cliquer dessus, tu la tiens, tu bouges la souris. T'sais, ce qui ajoute un peu au stress, si tu te fais poursuivre par une créature terrible, au moins tu tires la porte vers toi. Puis ça te permet aussi de l'entre-ouvrir. Et ce qui est vraiment génial, puis comme je vous dis, ce que moi et beaucoup d'autres avaient plus ou moins vu à ce moment-là, c'est qu'il n'y a pas d'âme. Tu n'as aucun moyen de combattre. Ta seule et unique méthode de survie, c'est de fuir puis de se cacher. Ok, that's it. Si t'es vraiment, vraiment, vraiment mal pris, tu peux essayer de barricader une porte, mais c'est pas la meilleure solution. Donc ça ajoute beaucoup à la peur, tu sais, t'es complètement vulnérable sans défense, là, t'es pas sur un hostie de champ de bataille comme dans d'autres supposés jeux d'horreur où que t'as un arsenal capoté, tu sais. Non, c'est vraiment pas ça. Comme je vous dis, la seule solution, c'est de se cacher puis de fuir. L'ambiance est vraiment excellente. Par les sons que t'entends, par la noirceur, puis les endroits inquiétants que t'es forcé de visiter, c'est très réussi. Fait que tout ça est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Et il y a quelque chose d'autre qui est génial, c'est que t'as aussi la sanité à surveiller. T'as une espèce de gauche de sanité, et tu peux devenir fou puis mourir comme ça. Okay? Donc tu peux, quand par exemple tu vois des monstres, même s'ils sont loin, ils sont pas en train de te poursuivre, tu peux pas les regarder trop parce que ça fait baisser ta sanité. Puis plus ta sanité baisse, plus c'est difficile de jouer au jeu parce que ta vision se brouille, tu te déplaces plus lentement, puis tout croche, tu sais. C'est encore plus bad-trippant.
la noirceur aussi, si t'es trop longtemps ou trop souvent dans le noir, ça va baisser ta sanité. Puis il y a plus ou moins de façons de la remonter. La lumière va faire en sorte que ta sanité va arrêter de baisser. Mais c'est pas mal ça. Mais donc, t'as besoin de lumière. C'est extrêmement important. Tu passes le jeu à chercher des ressources, des allumettes. Les allumettes te permettent d'allumer un chandelier ou une torche et de l'huile, parce que tu as une lampe à l'huile, mais qui évidemment consomme de l'huile. Donc, plus tu avances dans le jeu, plus tu descends dans le château, puis il fait de plus en plus noir, puis il y a plus en plus d'événements extrêmement dérangeants, puis tu as moins en moins de lumière. C'est vraiment excellent. L'histoire est très bonne, puis mais c'est ça, à essayer absolument. C'est pas lourd comme jeu, je pense que ça peut être 5G ou quelque chose comme ça. Ça peut être un petit peu exigeant parce qu'il est quand même bien fait, puis il est pas super bien optimisé. C'est fait par une compagnie indie, Frictional. Donc allez voir ça absolument, c'est un must.